Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Chetiti, tout va bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo de cheveux. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait la vidéo de cheveux et puis profiter aussi pour vous montrer à quel niveau sont mes cheveux déjà. Et là, aujourd'hui, nous allons faire un traitement à base d'oignon. Comme vous savez, moi, je fais toujours mes traitements la plupart du temps à base d'oignons. Je peux mélanger avec du citron, le jus de carotte, jus de citron, avec plein de trucs. Mais toujours est-il qu'il y a l'oignon dans mon traitement. Donc, aujourd'hui, je fais juste l'oignon rouge. Et puis, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez garder, comment vous pouvez aussi traiter vos cheveux avec les pulpes, les peluches, avec les peluches d'oignons. Donc, voilà. Voilà, j'ai déjà tout fait, tout a été fait. Bon, je vous présente juste. Ça, ce sont mes cheveux maintenant. Ça, c'est la devanture. Et ça, c'est le derrière. Le derrière est plus long et la texture est très, très bien. Et le devant est comme ceci. Voilà. Et pourquoi le devant est comme ça? Parce que lorsque j'avais fait la coupe de cheveux à l'époque, il y a 3 ans, on avait mis une teinture ici au Cameroun, je sais pas, moi je suis partie dans un salon, on a mis une teinture jaune ici, c'était comme ça ma coupe. Et depuis, c'est pas, peut-être la teinture n'était pas très bonne, donc voilà. Et le derrière était resté, on avait coupé ce derrière. Donc voilà mes cheveux. Voilà. Je me tourne un peu. Vous voyez, il y a bien long. Et ça, c'est à base d'oignons. Donc voilà. Et bon, sans plus tarder, alors pour mes nouveaux abonnés, j'ai dit soyez les bienvenus, les anciens. Bon retrouvailles. Merci de passer tout ce tiens dit. Regardez ce qui se passe dans la chaîne. Donc voilà. Dans cette chaîne, comme vous savez, il y a 5 petites sections cheveux, story sharing, make-up. Même comme ça fait longtemps, je n'ai plus fait vidéo de make-up, je m'excuse, mais. De temps à autre, j'en ferai. Il faut aussi avoir du temps. Faire les vidéos, ce n'est pas évident, je vous dis. Donc, mais bon, on se bat. Quand on a un peu de temps, on fait une vidéo. Et voilà. Et donc, bon, c'est ça quoi. Donc, on passe donc à la vidéo. Et si vous voulez voir comment j'ai traité mes cheveux et tout ce que je vous ai dit, voilà, vous restez tout simplement connecté et on passe à la vidéo. Donc je vous amène dans la cuisine et on va continuer là-bas. Bon, et après on se retrouvera donc par la suite. Donc à tout de suite. Bon, comme je vous ai dit, on va donc passer à la cuisine. Voici mes oignons et là j'ai déjà, je les ai déjà épluchés. J'ai enlevé la peau, les pelures. Et ces pelures, maintenant, les voici. Je les ai mises dans cette petite casserole parce que je vais les faire bouillir. Et je ferai la concoction de pelures. Avec cette eau, je vais rincer mes cheveux avec après. En fait, je ferai une autre vidéo où je vais vous montrer comment faire vraiment une concoction de pelures d'oignons. C'est très, 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 très bien. Parce que faut pas jeter les peaux d'oignon. Lorsque vous finissez de faire, même si vous cuisinez, vous pouvez garder vos peaux d'oignon et puis après vous les utilisez pour rincer vos cheveux avec. Vous faites une concoction et puis vous rincez vos cheveux avec. Donc voilà. Et là, vous voyez, je vais ajouter. Je n'aurai pas besoin de beaucoup d'eau. J'ajoute juste une tasse d'eau comme celle-ci dans la concoction parce que ce sera juste pour rincer. Donc voilà, je vais allumer le feu et je vais faire bouillir. Dès que ça commence à bouillir, je vais éteindre. Donc je vais couvrir et ensuite nous allons donc, pendant que ça bouille, nous allons découper nos oignons pour faire notre jus d'oignon. Voyez, l'oignon rouge. Tout d'abord, je tiens à dire ou à vous donner un peu quelques vertus d'oignon rouge. L'oignon rouge prévient la chute des cheveux, combat la chute des cheveux, fait pousser les cheveux,
oignon rouge a beaucoup de vertus, traite les cheveux abîmés, fait pousser les cheveux comme j'ai dit, active la pousse des cheveux, comble les trous de calvitie. En fait, l'oignon n'a pas d'effet secondaire, n'a pas d'effet négatif, d'effet néfaste. C'est juste que, à part son odeur, voilà, beaucoup de gens ne le supportent pas. Mais si vous voyez mes cheveux aujourd'hui, c'est grâce au jus d'oignon, au traitement à l'oignon. Donc mes cheveux poussent vraiment. C'est l'oignon qui a fait pousser, mes cheveux depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce que moi, je préfère l'oignon. C'est vrai qu'il y a les odeurs, mais ça ne fait rien. On a tenu les odeurs par le jus de citron ou bien par des huiles essentielles. J'ai fait plusieurs vidéos où je montrais comment je faisais, comment je fais le traitement à base d'oignon. Vous pouvez aller regarder ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Je les mettrai, je mettrai le lien dans la barre d'infos ou bien dans la fiche d'infos. Voilà. En haut, la fiche d'infos, c'est toujours en haut lorsque vous regardez la vidéo, en haut à droite. Bon, voilà. Et là, vous connaissez sûrement mon bol. Je vais mettre tout ce que j'ai découpé à l'intérieur. Voilà. Et j'ajoute un bol, disons, équivalent d'une tasse d'eau. Donc, je vais prendre ma petite machine que vous connaissez également. Pour ceux qui me suivent depuis que je fais des vidéos de cheveux, voilà. Mr. Magic. Et nous allons écraser. Je prendrai un truc comme ceci. J'ai déjà aussi eu à utiliser ça plusieurs fois. Un truc comme ceci. Ça, c'est de la marque Scotch Bright. Et là, je mets dans mon bol et je transvase. Moi, je dirais, il faut pas avoir peur d'utiliser l'oignon pour faire pousser vos cheveux. L'oignon est vraiment, c'est une plante vraiment très très bien pour les cheveux. L'oignon contient du soufre qui permet la pousse des cheveux. L'oignon contient de la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B6, la vitamine B12. L'oignon contient du calcium, contient des protéines. Il est antibactérien et ceci permet de lutter contre les bactéries et les champignons qui sont souvent sur le cuir chevelu. L'oignon empêche la casse des cheveux et l'oignon empêche les cheveux fins. Donc, et puis ça fait aussi, ça retarde aussi l'apparition des cheveux blancs. Donc c'est ça, moi j'utilise l'oignon depuis que j'ai commencé à faire des cheveux, des vidéos pour cheveux. Moi j'utilise soit l'oignon rouge, soit l'oignon blanc ou bien marron, comme on dit. Voilà, et ça m'aide à pousser mes cheveux. Ouais. Et puis, j'ai pris 3 oignons parce que mes cheveux sont déjà assez longs maintenant. Et voilà. Au fur et à mesure que les cheveux poussent, on augmente aussi le nombre d'ingrédients. Et ça, c'est notre jus. Et pendant ce temps, notre concoction est aussi en train de... Elle a déjà bouilli. Donc, je vais éteindre le feu et laisser reposer pendant, disons, jusqu'à ce qu'elle soit refroidie. Et là, on reviendra dessus après. Voilà. Pour atténuer l'odeur d'oignon, vous pouvez utiliser un citron, le jus d'un citron, comme le jus comme ceci, ou bien un citron naturel, normal, ou alors les huiles essentielles. Aujourd'hui, je vais utiliser les huiles essentielles. Donc, ça, c'est l'huile du thé. L'huile essentielle du thé.
L'arbre du thé, l'huile essentielle d'arbre du thé, ça c'est l'huile essentielle de la lavande. Vous pouvez en trouver partout dans les drogueries. Donc je vais utiliser cette huile-ci essentielle du thé. Je vais mettre juste quelques gouttes pour atténuer l'odeur d'oignon. Et ensuite, je vais mettre dans ma bouteille. Dans cette bouteille, je l'ai achetée dans la Foshop. Vous pouvez aussi trouver chez Amazon. Et puis, il y a aussi le jassi. Celle-ci, je l'ai achetée chez DM. Denkmit, c'est la marque de DM. Donc, ici en Allemagne, pour trouver partout Amazon, il y en a assez. Et maintenant, je vais transvaser mon jus dans la bouteille. Je secoue pour que les huiles essentielles se mélangent avec le jus. Et après, bon, on va donc passer par la suite pour pulvériser dans mes cheveux. Bon, à tout de suite. Bon, voici mes cheveux. Vous voyez comment les cheveux ont poussé. Comme je vous disais, c'est l'oignon, c'est grâce à l'oignon parce que je fais plus les vidéos avec l'oignon. Que ce soit l'oignon rouge, que ce soit l'oignon marron, blanc, comme on dit. Et puis j'avais aussi le cuir chevelu qui me grattait. L'oignon aide aussi également à empêcher les pellicules, comme j'ai dit avant. Et ça fait aussi que le cuir chevelu ne gratte plus. Voilà. Voilà mes cheveux. C'est vrai que la devanture est un peu courte par rapport à quand je les avais coupés. On avait mis la teinture ici devant. Et je crois que c'est elle. C'était pas une bonne teinture. C'est pas quel genre de teinture les gens la utilisent au Cameroun. Ce qui fait que la devanture ici. Donc le devant pousse aussi, mais pas trop vite comme le derrière. Parce que si vous regardez le derrière, regardez comment le derrière. Et la texture derrière vraiment c'est les cheveux parce qu'on avait taillé comme ceci et devant on a mis la teinture jaune. Mais qu'à cela ne tienne, il pousse. Bon, ça c'est mon produit. Maintenant on va mettre, je mets dans le cuir chevelu pour activer la pousse. En fait, vous voyez, dès que j'ai commencé à mettre, parce que mes cheveux étaient déjà, mes cheveux étaient bien secs. Maintenant, ils sont déjà bien mous. Et il faut mettre dans le cuir chevelu. C'est parce que c'est sur le cuir chevelu que tout se passe, quoi. C'est là où il y a l'activation du pouce. C'est là où. Je vous conseille vivement d'utiliser aussi l'oignon pour, si vous voulez faire pousser vos cheveux, utilisez l'oignon, voilà. Ça ne sent même pas quand vous mettez les huiles essentielles ou bien le jus de citron. Ça ne sent plus, l'odeur est atténuée. Voilà. Voilà, ça aussi, c'est bien souple. Bien souple. Bon, en fait, je vais continuer aux caméras. Parce que vous avez sûrement déjà vu plein de vidéos de cheveux sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez aller regarder ces cheveux. Où je vais tout doucement et je vous montre chaque fois comment je mets et comment je fais. Voilà, je continue aux caméras surtout. Donc, à tout à l'heure. Bon, là j'ai mis, comme j'ai fait 4, j'ai divisé en 4, donc j'ai mis partout le reste.
Oh, je suis en train de finir avec le dernier. Vous voyez? Les cheveux sont longs et la texture des cheveux. Bien. Et je vais maintenant mettre mon plastique et je vais attendre pendant 30 minutes. Et lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous montrer parce que après on va aussi mettre la concoction que j'ai faite pour rincer les cheveux donc, avec la peau d'oignon. On s'est dit donc à tout à l'heure. Bon voilà, les cheveux sont déjà bien rincés. Je les ai rincés. Maintenant, nous allons appliquer, j'applique directement le jus des peluches d'oignon. C'est pas facile avec soit en fait, le traitement des cheveux, ce n'est pas facile. Et comment je suis mouillée partout. Bon, j'ai mis une bonne partie, il reste encore. Bon, maintenant que j'ai fini, je remets le plastique. Vous pouvez aussi mettre un bonnet ou bien votre serviette comme vous voulez, mais moi je mets mon plastique et là je vais laisser agir pendant 15 minutes et je vais rincer aux caméras comme d'habitude et après je reviendrai pour le mot de la fin. En fait, je... Bon voilà, la vidéo est arrivée à sa fin. Comme vous voyez, j'avais déjà lavé, j'ai lavé les cheveux, j'ai tout fait, le traitement est fini, je vous ai épargné beaucoup d'étapes. Bon, si vous voulez voir comment je fais mon traitement à base d'oignon, mieux vous regardez, je vais mettre les liens, tous les liens de vidéos des cheveux dans la barre d'infos et vous allez voir comment je fais souvent du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'était juste un traitement rapide parce que chaque fois, je fais mes traitements et je vous montre. Et je profite aussi pour vous montrer la longueur de mes cheveux actuellement. Et je vous présente aussi les produits que j'ai utilisés après avoir tout lavé. Ça, j'ai utilisé ça, vous connaissez. Ça, c'est l'huile d'argan, le shampoing à base d'huile d'argan. Et ça, c'est l'après-shampoing. J'utilise toujours ça, je n'ai pas encore changé. Ensuite, lorsque j'ai fini de laver, j'ai utilisé Kosa. C'est une crème à base, c'est l'huile de coco, Kosa. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé Cantu. Cantu, ça c'est pour hydrater les cheveux. Ça, c'est vrai, c'est très très bien pour hydrater vos cheveux. Donc, lorsque vos cheveux sont secs, vous mettez, vous hydratez. C'est ça que j'ai utilisé. À la fin, j'ai mis mon huile, mon chouchou, Black Castor Oil. L'huile de Black Castor, ce que j'ai mis à base de l'huile de coco. Vous en trouvez dans les info shops, dans les magasins également où on vend les produits de cheveux. Et comme vous voyez la bouteille, si elle n'a pas de tube, j'ai transvasé l'huile dans cette tube-ci, dans cette petite bouteille-ci. Et là, j'enlève tout simplement comme ça et je mets sur mes cheveux. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, si vous avez une bouteille comme celle-ci qui n'a pas de tube, vous transvasez, vous cherchez une bouteille qui a une pipette, je ne sais pas comment on appelle, et vous transvasez et ce sera facile à mettre dans vos cheveux. Sera bien facile d'appliquer sur vos cheveux et puis sur le cou chevelu. Et puis après, j'ai massé et j'ai fait des twists. Comme vous voyez là. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. Merci d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes de passage sur ma chaîne. Et aidez Titi et Angie à atteindre 1000 abonnés. C'est ça le challenge. Aujourd'hui, nous sommes déjà en août. Donc vous aidez Titi et Angie à atteindre 1000 abonnés. Et si vous abonnez, surtout de liker,
Lorsque vous likez mes vidéos, YouTube les propulse aussi pour que d'autres personnes puissent les regarder. Bon, voilà, on se dit donc à la prochaine vidéo. Partagez, partagez, partagez et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour que lorsque je poste une nouvelle vidéo, que vous soyez informés. On se dit à la prochaine vidéo. Ça pourra être une vidéo de, je sais pas moi, parce que comme vous avez vu, mes produits sont presque déjà finis. Et j'ai envie de faire une vidéo où soit j'achète, soit je n'achète pas. Donc, restez simplement connectés. Je pense que c'est la prochaine vidéo qui arrive où je vais vous présenter mes produits mes produits pour soins, soins capillaires. Et là, je vais savoir soit je vais acheter, soit je vais pas acheter. Donc, voilà. Bon, on se dit dans la prochaine vidéo. Bisous, bye!